Bonjour Isabelle Dahan, François Faure, La Bonne Pierre. Donc, nous sommes une plateforme internet, une plateforme d'annonces immobilières spécialisée dans les biens immobiliers loués. En fait, La Bonne Pierre a été créée à l'initiative de plusieurs personnes issues de l'administration de biens et de la transaction immobilière, donc connaissant parfaitement les métiers de l'immobilier. Et La Bonne Pierre se veut être un outil qui pourrait répondre à trois constats. Le premier constat est que les biens immobiliers loués sont difficiles à commercialiser et difficiles à vendre. La réponse apportée aux propriétaires habituellement est il faut libérer le bien ou il faut baisser le prix, ce qui est une double réponse très désagréable pour les propriétaires gérés ou les propriétaires qui s'adressent aux agences immobilières. La Bonne Pierre, à cet effet, a souhaité regrouper l'ensemble de l'offre de biens immobiliers loués, quel que soit le type de bien, partout en France, voire à l'étranger. Bien sûr, majoritairement aujourd'hui sur le site, on peut trouver des biens immobiliers d'habitation, mais on pourrait très bien trouver des forêts, des anneaux de port, des locaux commerciaux, des entrepôts, tout ce qui est loué à une condition, il faut qu'il y ait un loyer pour que le bien soit publié sur notre site. Le deuxième constat que nous avons fait, c'est que pour un acquéreur, investisseur, il est très difficile d'accéder à cette offre. On demande dans tous les moteurs de recherche habituellement, que cherchez-vous? Quel type de bien? Pour quel montant? Et dans quelle localisation? Or, l'investisseur, lui, connaît plutôt ces données qui lui sont propres, à savoir données financières. Est-ce que j'ai un apport? Est-ce que j'ai une trésorerie mensuelle que je peux consacrer à mon investissement? Et sur quelle durée je peux investir? C'est-à-dire en fonction de mon âge. Si j'ai 30 ans, ben je peux partir sur 20 ans. Si j'ai 50 ans, je vais plutôt partir sur 15 ans. À partir de ces trois données que tout le monde connaît, eh bien La Bonne Pierre va proposer un nouveau moteur de recherche innovant qui permet de traduire les biens immobiliers en durée d'investissement, en prix et en rentabilité. Le troisième constat que nous avons pu faire en tant que professionnels de l'immobilier, c'est que ce marché est carrément sous-exploité. Donc là, on a une réserve de chiffre d'affaires très importante pour toutes les agences immobilières et pour les administrateurs de biens. À savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, les administrateurs de biens perdent 3 à 4% de leur mandat de gestion pour raison de vente. S'ils pouvaient vendre ces biens immobiliers loués, ils conserveraient leur mandat de gestion et a fortiori préserveraient la valorisation de leur entreprise. Pour les agents immobiliers, eh bien, c'est les mandats de location qui sont à gagner, c'est peut-être 20% du chiffre d'affaires à construire, mais un chiffre d'affaires qui a cette particularité, c'est qu'il est récurrent et pérenne. Donc c'est un point important pour l'agent immobilier qui peut... L'investisseur a besoin de conseils, donc l'agent immobilier se retrouve placé de nouveau au cœur du débat et du conseil à apporter. Voilà l'offre de La Bonne Pierre.